Allez. Total Mix Radio.com étant le premier réseau sportif haïtien dans First Asian Sports Network. Total Mix Radio.com à l'émission Update Sport sur Total Mix Radio.com et en co-troisième de Maxi Call, Maximum Appel pour un petit crassage. Pendant que je pose, je me suis dit que vraiment, malgré plusieurs essais nécessaires, à mettre plusieurs dîmes, même pas trois ou elles nécessaires, mais vous connaissez, monsieur Yogi, parfois, il ouvre tout moyen qui est utile. Yo capable utiliser yo bon zanmi ki mande menan gade nan Facebook ou gade nan YouTube ou pouwe chercher Gabi Joseph on baye comme ça somewhere just that broadcasting on YouTube when c'est à mande pou ki ça m'pa faire li note utiliser Instagram pour quelques minutes oui but m'pa kwen gen assez audience pas aussi crowd là pas aussi exigeant. Bon, nous à Facebook et puis nous dans YouTube ou sous capable ou capable garde tendez comme nous dit n'a travail au niveau studio. Merci pour request là et puis me penser que nous approuver nous fait ça actuellement où on m'a parlé avec nous on capable tendez dans YouTube même si que on prend photo bien entendu. Ah ouais, monsieur GLBB yo dit mieux tout branché. Yo dit nous j'essaie c'est pas parler, c'est très très bien. Monsieur fait message à passer pour yo pas vinn di moun, c'est moun qui vinn di yo. Yo make sure que yo partager là avec zanmi yo à travers les moyens qui nécessaires. Alors, comme on dit, on a gardé avec qui est qui va le faire, qui est qui va le compter. But at the end of the day, everybody's gonna be happy. Moi mais ça. Qui est capable quoi pas comprendre son coulier quand même. All right, listen. Qui t'aime mon petit Jean et puis t'es malin dans tournoi ça. Côté oui. Oh, et ça m'a dit tout. Côté information. OK. All right. OK. So, bon vite fait que au moment de parler avec moi, pas oublier information ça qui t'aime partager là avec nous avant même m'entrer dans détail de U17 là tout à l'heure dans dernière partie à ou encore dans deuxième partie émission on va parler non plus de sélection U17 là qui arrive tout à l'heure mais bon, qui t'aime apprendre nos mauvaises nouvelles là. T'es chargé. Et Fédération haïtienne m'a toujours dur dans cas ça avec nous. Mais depuis qu'il a checké passeport employé qui est de la Fédération haïtienne de football. Alors que plus fort base non pas en Haïti. Qui a checké passeport employé de la Fédération haïtienne de football mes amis. Ou pas qu'a dit c'est ou pral non compétition avec un coach, c'est qu'on y a réalisé que passeport l'a fini en deux mois. Alors que nous fait autant combien fois nous victimes de cas ça. Je me dis victime, ce n'est pas parce que yo font mal, mais c'est parce que yo dou déjà, yo pas bon visa avec yo passeport qui pas game quoi. 6 mois yo mande? 6 mois ou 3 mois? 6 mois ou 3 mois? Yo mande que pour passeport game. So, ou c'est un étranger qui vient aux États-Unis, kounye a passeport coach là, pas coach principal U17 là, de sous m'ka fait crédit, mais passeport monsieur ya, pral expirer dans moins que 2 mois. So yo pa bay coach principal la vénézuélien non hein? Yo pa bay monsieur Miguel visa. So nan cas ça c'est Paulin, c'est Jean Holland, c'est yo même qui ka épauler cap là avec sélection haïtienne. Qui pas trop mauvais bien entendu. Me pensais que Jean Holland et pas Jean Holland aïe. Il ta là et Webens Wensimé. Je pense que Itala a fait un bon travail avec yo. Et je pense que comme Itala a déjà dans staff là qui inclut avec sous temps des Vénézuéliens dedans et bon regarder Itala ou ka parler non côté Itala. Bon regarder peut-être si m'te ka côté Itala. Monsieur Gabou pas de gain ou pas de temps préparé avec monsieur ou pas ka vinn prendre monsieur à dire comme ça non. So nous ka essayer faire ça quand même. Si tu as la capable là peut-être que nous ka tout demander directement des informations que sélection haïtienne U17 ça qui rivait tout à l'heure en Floride bien entendu après un long voyage sorti de Roumanie temps pour arriver là comme yo te dit depuis hier 5h du matin yo quitté l'autre bord et pour arriver là. Mais n'ba quoi il est disponible non. Ouais, Itala, téléphone Itala, sonné. Ouais, si Paulin ou bien Itala, peut-être qu'on peut parler avec lui.
et te voulais parler avec yo avant dimanche comme dans pour te conclure et activité yo sot passé au Manian. Je pense que peut-être si nous parler avec yo dimanche c'est capable bon l'autre visage de interview ça qui capable gagner avec yo. Mais de toute façon monsieur Rivé comme te gagner et petit chat nous t'a fait avec quelques nan yo et avec un pile fatigue nous d'accord si c'est dormi yo pral dormi kounia dans moment ça. Mais monsieur Rivé bon ici après que yon long séjour, yon long voyage que yo fait, nous apprécier les efforts que encore de la part de la Fédération Haïtienne de football. Entre-temps, qui t'aime vite dit que sélection U17 Haïti, ou encore sélection U20 et Haïti, ainsi que sélection olympique garçon yo, moi pense que son côté là pour nos petits gens et m'a pas dit focus non, mais de préférence m'a dit que ça nan route lié a li mande en pile attention. Il m'a dit en pile attention, Cavalli finit 2-2. Oui, c'était c'est depuis hier. Deux matchs qui fait hier. Cavalli avec et Mirbalet ainsi que Fika avec Victory. So, ma PC pour mentionner également tout que game match qui est fini, n'a pas un résultat au complet et puis n'a pas partagé là avec nous. Mais go résultat fait so far. C'est Cosmopolite qui est censé ta battre équipe Racing Club Haïtien dans journée. Non, et 11e journée ça, n'a pas tourné tout à l'heure de ça. Qui te me dit non tirage au sort U20 Haïti a été fait là. Bon mais c'est al na Olympique là avec nous pour monter en canaliser nous pour nous côté Jean Olympique, je ne t'ai pas parlé de Olympique ça. Ou encore je ne t'ai pas prévoir que sélection haïtienne Olympique là bon belle sélection et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a quelques années de ça, c'est pas 3 ans à 4 ans de ça. Qui le monsieur a été annoncé Armada? Ou pas songer? 2 ans? L'ente que vous ne participez pas. Monsieur Aka dit c'est bouquet, pas bouquet. C'est pas bouquet, c'est pas de faute du tout. C'est pas de faute du tout. Et, gagnez un bagage, m'bral dit non, parce que nous avons dit ah, il y a toujours à annoncer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou qu'on deux jours en jour, et de année en année, jouets, une série de jouets. M'a pas dit c'est parce que y a avancé en âge, mais m'a dit que y a plus de connaissance d'Haïti. Et encourager nous et apprécier que pour nous parler positif d'Haïti. C'est pas parce que Haïti pib mal, mais c'est pas parce que nous pral bail menti de Haïti bon. Mais essayer suspend montrer moun yo les mauvaises côtés, tout côté pas bon caché de Haïti, c'est yo nous vend Haïti, nous vend de Haïti et nous pas compte qui j'en nous fait tête nous mal tout. Yeah. Parce que yo déjà parlé mal de nous mes amis et puis nous même encore pour nous chita na vinn parler mal de tête nous. So nous kounya nous vinn pas nous fermer tête nous non petit wa que pour ne pas ca développer tête nous vraiment. So me pensais que dans sens ça yo nous payer pour casser à plus tard et même si moun nan dans ca là li paye pour casser à plus tard parce que les a parlé de Haïti c'est des négatifs tout le temps même dans l'école li les tabal font en dissertation c'est sûr que ça le parle de Haïti elle pas fort plaisir ou même so sélection olympique là c'est possible bon dit m'a pas dit possible parce que m'en a fait humain mais si m't'arrêter sur les paroles qui là gain nouveauté que on va le connaître dans sélection olympique là gain nèg noyo qu'on a cité qu'on pral connait dans sélection olympique là. Ou tandem, gen joueur pral ou t'es content de y a annoncé ou pral connait dans sélection olympique là. Équipe olympique haïtienne là qui connaît groupe que yo y a, qui connaît côté yo engagé yo à partir de bon moi me dit tirage. Souvle dit, qui t'aime dit tirage sort quand même. À partir de tirage sort quand même là que et yo fait en dans yo ban nou wè a. Eh bien, monsieur Haïti, monsieur sélection Haïti, gon idée côté le pral le. Sélection olympique Haïti, nan éliminatoire olympique ça, eh bien, Haïti, que nous connaissons qui nan groupe, qui gen Suriname, qui gen Grenade, qui gen Il Caïman là-dedans. Ça n'a parlé de sélection garçon olympique, yo, tout préliminaire. Mais étant donné que CONCACAF poko bon calendrier détaillé, yo poko bon assez détail, mais yo dou le peu que yo vle partager avec vous avec réserve.
dans tournoi ça dans éliminatoire olympique ça pour zone CONCACAF là gagner des pays qui exempt de tout préliminaire ça qui logique d'accord avec vous et dans zone ça nous dit qu'il y a 4 groupes là sofa par exemple groupe A qui gagne Jamaïque Saint-Kitts Guyane de la Dominique groupe B qui gagne Trinidad et Barbade Cuba US Virgin Island groupe Haïti qui gagne Suriname Grenada ainsi que Îles Caïmans et groupe D qui gagne Antigua République Dominicaine Sainte-Lucie ainsi que République et Porto Rico et puis zone Amérique centrale là cap gagne 3 qualifiés cap sorti dans 6 ça yo que match-up la bay et c'est premier à 6 c'est premier contre match-up là c'est premier contre 6e et ça et zone am sud là zone Amérique centrale am sorry c'est premier contre 6 2 contre 5 et puis 3 contre 4 c'est Costa Rica contre Guatemala Honduras contre Nicaragua et puis Salvador contre Panama yo basé sous classement FIFA 31 mars là pour déterminer qui niveau équipe olympique ça yo mette yo basé sous classement ça et bien yo fait premier à croiser à 6e non deuxième nan joue avec 5e non troisième nan joue avec 4e nan. Et dans chaque match up ça yo yon a passé dans chaque ça vient faire bien 3 équipes dans Amérique centrale là qui a passé pour prochaine étape dans éliminatoire Jeux olympiques garçon yo. Mais dans zone panou qui j'en lié sorti 17 pour arriver 21 juillet. D'abord sous peu y a annoncé dans qui 4 villes que compétition ça la commence la jouer. Dans 4 villes que y a annoncé sous peu yo, eh bien monsieur yo gen 16 équipes ça on saute parler non là parce que m'saute dit nos 4 groupes. 4 groupes ça yo qui gen 4 équipes, chaque groupe yo gen 4 équipes. 16 équipes qui sont divisées dans 4 groupes de 4 ça yo, eh bien après tout, il y a fin jouer 3 matchs chaque équipe yo, eh bien vainqueur moun qui remporte groupe yo, y a avancé pour deuxième partie dans compétition. Moun qui finit en première position dans groupe yo pral passer pour deuxième partie dans compétition. Par exemple, gagner vainqueur groupe A l'a joué avec deuxième groupe D a premier groupe B a l'a joué avec premier groupe C premier groupe C a so l'a A contre D et B contre C bambe c'est garder avant pour comprendre si Haïti que Haïti obligé fin en première position dans groupe pa Haïti a qui c'est groupe C a faut Haïti ka fin en première position pour Haïti passer plus loin dans éliminatoire coupe jeux olympiques garçon yo que me dit première partie a fait 17 au 21 c'est kounye a yo pral din mais ça pral fait 3 matchs Haïti yo Suriname Grenade Îles Caïmans m'a fermé j'ai m'a qualifié m'a fini en première position faut finir en première position bien entendu sous finir en deuxième ou éliminé c'est yon moun nan chaque groupe si ça t'a semblé yo respecter groupe A t'a supposé Jamaïque groupe B t'a supposé Trinidad ou bien Cuba c'est dernier temps qu'a dit ça et groupe Haïti c'est Haïti j'ai fermé et dans groupe D a li capable groupe D ça son groupe vont Saint-Gobain parce que li capable Antigua li capable Sainte-Lucie elle capable Porto Rico li plus semblé que Porto Rico qu'a éliminé là li capable Antigua li capable République Dominicaine qu'on ça tout capable Sainte-Lucie mais basé sous ça yo t'avle din li t'a semblé Antigua. Ou d'accord? Ou d'accord? Si l'Antigua, songez que me dit B contre C dans deuxième partie, B contre C, A contre 2. Étant donné que Haïti c'est si Haïti finit en première position, si Trinidad finit en première position, Haïti a joué avec Trinidad. Haïti contre Trinidad et puis Jamaïque contre Antigua. Et vainqueur dans chaque match-up ça yo y a qualifié pour oh et comme ça le facile et pas presque aller dans les Jeux olympiques gèlè gen plus route bon garder si c'est route ça seulement crivé
me dit qui ça? Moi dit 16 pays ça qui divisé en 3 là. Oh. Non. Ou quoi le facile comme ça? J'aimerais aller aussi facile lui. OK. Nous pral qui ça? Nous là? Eh bien, j'aimerais aller passer oui. J'aimerais n'a passer oui. Gain. Nous supposé passer. Moi dit dans premier tour là, nous supposé finir en première position là. Dans deuxième tour là, adversaire assemblé à Trinidad. Nous obligé battre Trinidad. Et Kounia ou passer Trinidad nous là. Plus détails parce que c'est à compte qu'a fait en affaire, parfois c'est pas nous qui fait faute yo, mais on connaît. À mon non affaire yo, obligé prendre précaution avec yo. So, entend toujours parce que souper a pas annoncé les petits détails et concernant calendrier ainsi que quatre villes y a choisi pour faire éliminatoire aux Jeux Olympiques ça ou avec moi. OK. Comme monsieur a dit, il y a en pile activité football vraiment, il y a en pile activité vraiment, sérieusement. Ça c'est garçon yo. Nan mesdames CONCACAF yo éliminatoire Coupe du monde que m'a parlé 20 ans. Mesdames, yon gantan en activité. Et yon nan bagay ke m'senti ki intéressant, c'est que la fédération, même après première partie de fin jouer, yon pat campé. C'est ça. Et ça, ou konten ou envie yon bagay ki fait tellement intéressant, ne tellement belle, ou senti que c'est capable de dire ça m'bavle pour nous comprendre que c'est émotion ou encore c'est pas l'empile. Et ou sent, c'est comme si vous senti que Livin t'a supposé yon habitude pour nous même pour aller dans la Coupe du monde. Li t'a supposé yon habitude pour nous même pour aller dans la Coupe du monde 20 ans. On parle 20 ans mesdames yo encore. 20 ans mesdames yo qui groupe A qui gagne Bermude, Antigua, Guyane, Suriname, Sainte-Lucie. Groupe B qui gagne Anguilla, Saint-Kitts, Grenada, Saint-Vincent, Barbade. Groupe C, c'est États-Unis, Honduras, République Dominicaine à Cuba. Groupe D, c'est Mexique, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico. Groupe E, Canada, Jamaïque, Guatemala avec Salvador. Et puis groupe Haïti qui gagne Trinidad, Panama, Île Caïmes. Ça va gagner ou pas ouais semblant rien qui pour camper ou. Ouais semblant rien pour camper. Ah. Et parfois nous qu'on a et comme monsieur Kola a dit et nous pas le goûter pour deuxième place là d'accord avec Kola parfois il faut utiliser sagesse mais faut, pour ne pas trop arrogant dans sens ça so mais à part de ça nous t'a qu'à oser nous dit n'importe ça qui arrive pour nous mais ça qui arrive pour nous de toute façon et waouh bah vous m'avez invité m'y aurait été trop longtemps bon me garder nous avons seule information ma fin avec nous pour me prendre direction La France, y'a. Yo, m'a tourné sur U17 là avec nous tout à l'heure. Mais bon, m'gade. Ok. Alright. Don Bosco à carrière. Et bon, m'gade. Haïti. Est-ce que fini, non? Ok. Non. Pas, y'a beaucoup. Alright. So far, Cavalli avec AS Mibalen, te connaissé 2-2. Fika avec Violette, 1-1. Et gagné équipe América qui bat Wanamet 1-0. Gagné équipe Racing club haïtien qui perdit devant Cosmopolite 1-0. 0-0 entre Racing de Gounaïve avec ASC. Real avec Triomphe fait 0-0. Et m'a tonne deux résultats là côté FICA avec Brésilien. Avec Argentine, I'm sorry, avec Argentine. Et côté FICA. All right, listen. Bon, mais c'est garder directement avec côté FICA. FICA, non? OK. All right. Et bon, mais c'est de vouloir rejoindre Italie encore. On m'a dit si tout le monde n'a pas abdomi toujours. All right. Alright. OK. Yes. Yeah. Yeah, c'est possible. OK. Moi j'ai deux monsieur qui s'est invité aujourd'hui. M'a gagné n'a pas eu opportunité pour parler avec yo.
Et dans peu de temps, j'ai boulé presque 39 minutes. Et bon, bon garder si possible. Bon, mon seconde pour me garder, est-ce qu'il est possible pour nous rejoindre monsieur ça? Rete là. TotalMixRadio.com étant le premier réseau Spotify Saint Love First Station Sports Network. TotalMixRadio.com à l'émission Update Sport sur TotalMixRadio.com. Alors, c'est sûr que nous allons parler beaucoup de. Nous allons passer non, avec un pile petit détail, un pile détail. D'ailleurs, surtout ça qui a un rapport avec Haïti, ça a ça haïtien qui a été là, Dani. Waouh, gon nèg qui poste on ba li dit gade boule kap gen pou ane sa. Non c'est pas ane a seulement non. Et wap tellement gen activité nan men on sou apprécie ou encore tolérer football haïtien gele même na ka ou ta supposé pas même gen temps pour rentrer la ka ou même. Son nèg pourtant ni prend valise ou et puis met dehors. So m'pensais que pour moun ki apprécie ou encore ki voulez supporter et m'espérer que et m'pa pral di ça en tant que sa président qu'on a dit non mais m'a dou ça me senti qui logique et normal là li pas forcément gagner un grand peuple sans pas gagner surtout un peuple football qui apprécie soccer et la difficile que pour gagner un grand équipe football que pas gagner fanatique qui a suivi et c'est ça qui fait me penser que avant même Mexique côté lié à et peut-être sous t'as regardé Mexique longtemps et ou t'as prouvé que moun sa ou tellement gon engouement gon envie et yo tellement remé ambiance football là c'est comme si yo entré dans terrain de avait pas pour yo pas de résultat non mais yo vinn participer y a mené sou yo pas connait si y a mené sou yo. Yap mené c'est wololo, yap mené sou yo c'est pas parler. So, ça veut dire que vous senti que moun fanatique là les soutiens. Bon, jusqu'à présent, nous ka cultiver ça et dit pour dire que haïtien a supporté ou encore a chauffé sélection Haïti même si yo prend goal. De pour prend goal, regardez c'est tout moun quiet. All right, listen. Beaucoup d'activités pour l'équipe haïtienne yo, équipe haïtienne yo. Et surtout peut-être quitter mon petit Jean. Nous pas le focus en pile sur l'autre yo, mais activité qui plus proche de nous là, c'est qui plus important, hein? C'est sélection U17 Haïti. Yo arrivé jeudi en Floride. Yo quitté Oumani depuis hier 5h du matin. Il arrive en Floride il y a dit que aux environs 2h 3h midi 2h 3h en espace ça yo que yo basé en Floride pour juste que yo participer mesdames aidez-moi baton bravo pour diriger fédération qui convine qui où songe dernière fois ça crivé non nous tellement dans jeu compétition monsieur dames. Le tas de bois nous te plaît et de me plaît tout et de me féliciter parce que vous faites ça que bon et de me féliciter où songez que à plusieurs années back to back équipe haïtienne croqué dans Saint-Domingue où songez ça jouer dormir dans airport où songez pas quoi où c'est une monde qui t'a de me critiquer parce que fédération c'est pas jodi al connaît que t'as parti pas vrai mais
Edem di yo félicitations parce que même si Haïti t'a éliminé, moi apprécier les efforts de la Fédération haïtienne de football. M'a bat bravo à haute voix, quel que soit yon ta vle prendre ou même a fait gado tant pis pour vous, mais qui t'aime dit on félicite Fédération haïtienne de football pour initiative pour ça yo fait là avec sélection U17 là. Parce que dernier moment yo nous connouel mépriser surtout les équipes juniors, mépriser U20 et nous arriver dans compétition, nos 11e jeu arrivé dans souterrain. Hein? Li prend avion, des ponts taxi courial souterrain pour le faire 11e joueur football lac souterrain. Vous songez ça? Ça veut dire que sous ouais vous fait ça, c'est exactement il y a une progression. D'accord, m'apprécie ça. Alors sélection U17 ça. M'balonti en focus et m'poko ka di non qui match n'a déplacé, mais ça me garantit non n'a tendé tout match yo sous Total Mix, quel que soit on voit on lot on mon n'a tout n'a fait exigence pas vrai les Fermont les Chama les Fermont l'équipe de Total Mix même les yo pas grand pile temps mais y a make sure que le public ça qui ba nos crédits depuis 2010 là nous tient à ce que nous desservil. OK, nous pas garantir qui j'on va regarder mais n'a dirigeant qui j'on va regarder mais des possibilités pour garder compétition qui a déroulé dans Bradenton dans Floride. OK, sélection ça qui était parti participer dans tournoi qui fait c'est peut-être ça me féliciter fédération oui. Et c'est sélection ça qui participer dans tournoi ça qui fait dans pays Roumanie. Haïti a participé là-dedans. Non seulement, imaginez que on sélection qui était Haïti. Roumanie c'est pas à terre là, ils ont dit c'est pas à terre là ou en Europe. Et elle participé dans tournoi ça. Yo pas arrivé dans même jour compétition. On croit que yo t'a joué dans lundi yo t'a joué. Yo joué 20, on croit et ça yo joué 16, 18, 20. So yo arrivé même 4 jours avant compétition. Monsieur dame m'dit les bagages là pas bon et non et de plein mais l'el bon mes amis et dem di yo félicitations Haïti pas arrivé dans même jour compétition même si m'pa besoin rendre compte que d'où comme on souvent dit d'où viennent les finances les moyens financiers m'pa besoin qu'on ait moyens financiers yo I'm sorry petit côté au sorti même vle dit que l'initiative là c'est très 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 bonne et me songe que depuis les tirages sur la fête là gagne une bagaille nous t'a plein n'a dit si pour Haïti faire coupe du monde ça il faut que Haïti fait une bonne préparation et c'est exactement bonne préparation ça qui ca fait nous capable oser non pour nous dire que gagne espoir pour Haïti à la coupe du monde ça n'a parlé de sélection U17 ça et sélection haïtienne non qui jouait ou songe premier match yo avec yon défaite commencé 3-0 et d'accord m pa plein pou li et défaite la pat pa ébranlem parce que m pa kwè c'est défaite la qui t'a problème non parce que en un mot sur n'ba ou songe m te dit que Haïti défaite yo pa déranger moi même parce que c'est apprentissage là surtout dans match préparation et même fait allusion avec l'équipe senior qui a bien près de 3 matchs amicaux pour jouer avant yo rentrer dans et Gold Cup qui a venu là. OK. So, l'équipe haïtienne font première entrée 3-0, yo perdu premier match yo. Rivé dans deuxième sortie, Haïti font match nul 0-0 et troisième sortie c'était la Roumanie, so, je m'a dit ça hors micro avec bon et m'a dans micro, m'a dit ça avec un ami pour me dire que si logique yo respecté, Chipte bat Roumani 3-1, Haïti fait 0-0 et na deuxième sortil. Troisième sortil face avec équipe Roumani qui te perdu 3-1 devant Chip là. Logiquement, Haïti fait 0-0 avec Chip. T'as vrai? So, li possible que pour Haïti bat équipe Roumanie, c'est possible. C'est logique pour Haïti battre là. Si n'a pas gardé la première journée compétition tournoi ça,
qui est organisé par monsieur yo en Europe et Haïti participé. Roumanie t'es au songe dans première journée à Roumanie avec Chypre. Roumanie t'es perdu devant Chypre 3-1. La Russie avec Haïti, la Russie t'es battu Haïti 3-0. Premier match Haïti également tout. Et c'était Chypre qui t'es joué avec Haïti. Chypre fait le 18, Chypre fait 0-0 avec Haïti. Et puis non, t'es gagné 3-2 et Roumanie avec la Russie. Et puis non, dernière sortie, moi dit 3-2, moi dit 1-0, 1-0 Russie t'es battu 1-0 la Russie t'es battu 1-0 la Russie t'es battu Roumanie. La Russie bat Roumanie 1-0. I'm sorry. 1-0 la Russie bat Roumanie. Censé Roumanie perdit tous les trois matchs. Troisième journée, hein, c'est Haïti qui bat Roumanie 3-1. Haïti bat Roumanie 3-1. Pendant ce temps, l'équipe russe bat Chypre 5-2. En gros, c'est résultat compétition. L'équipe haïtienne, ça, qui partit, a gagné assez de talent. Et ça m'était peur, c'était préparation. Ça nous est là, c'est dans route préparation qui pral peaufiner par rapport avec deux semaines yo gen devant nous du 21 au 1er mai. Si nous disons jeudi à 21, dimanche 21, dimanche prochain 28 et voilà. Ça veut dire monsieur yo gen presque deux semaines avant yo jouer premier match, presque deux semaines. Avant yo jouer premier match dans éliminatoire Coupe du monde moins de 17 ans. Bon m'explique, bon me faut regarder ensemble avec moi possibilité qui gagne pour Haïti ta fait Coupe du monde ça. Et mon feeling si pas faire Coupe du monde là n'a privé plus proche Coupe du monde. Si pas faire même mon sentiment que ça bail comme préparation hein, c'est une poste possibilité que pour nous faire Coupe du monde. Ah, pas cacher dire, me dit ça oui. Même j'en te dit que si Haïti qui a calé en France deux mois avant, Haïti pas ridicule dans la Coupe du monde moins de 20 ans mesdames. C'est vrai. En pile fois c'est pas non pas manque de talent, c'est manque de préparation, manque de vision, manque de profinement, non pas profiner ça ne gagne comme capacité, ça ne gagne positif dans nous mêmes. Bon m'explique, bon garde ensemble avec nous. Dans la compétition éliminatoire Coupe du monde moins de 17 ans, ça Haïti a joué le premier. Changer qui me dit Haïti a joué premier. Premier mai sélection U17 Haïti a rentré officiellement dans phase compétition ça. Songez que première partie compétition a joué déjà. Partie Haïti exempt de premier tour là par rapport avec classement FIFA classement CONCACAF là qui baille de premier à 19e position hein, et Haïti lui-même pas dans bas classé comme ça. Ça veut dire que ça fait que Haïti pas joué premier partie compétition qui t'est gant commencé mois passé dans Bradenton. Kounia Haïti pral jouer dans partie ça, partie intéressant ou encore partie bon hein, et qui gagne déjà des groupes par exemple si nous jetons un coup d'œil dans groupe qui a joué Kounia qui pral jouer en mai là, groupe E qui gagne Mexique, Jamaïque, Trinidad et Bermude qui a commencé à jouer le 1er mai également tout. Mexique, Jamaïque, Trinidad, dernière de première journée pour eux même. OK. Dans le groupe F, qui gagne États-Unis, Canada, Guatemala et Barbade, groupe ça a commencé à jouer le 2 mai, parce qu'il y a États-Unis, Canada, Guatemala, Barbade. Groupe G, que c'est qui concerne ou même non, groupe G, qui a joué sauté 1er mai, qui a commencé 1er mai, qui gagne Honduras, Haïti, Salvador et Guyana, la donne. Tandem. Et puis, nous dit groupe G, et puis groupe H là, c'est Costa Rica, Panama, Suriname, Curaçao qui a commencé à jouer à partir de 2 mai. On retourne dans le groupe qui concerne. 1er mai, Honduras, Haïti, dans IMJA, dans terrain numéro 2. Honduras, Haïti. Et puis, même jour ça, il y a Salvador qui a joué avec Guyane. Le 3 mai, Haïti, Salvador, dans même terrain 2, premier match pour journée. Et puis, dans le même jour, ça, Guyana a joué avec Honduras.
Et puis Salvador le 5 mai contre Honduras, Guyana contre Haïti le 5 mai. Ça c'est match dans poule, dans groupe que Haïti est Kembano. So, est-ce que Haïti pas qu'a fini en première position? Oui, Haïti qu'a fini en première position. Même s'il t'apparaît Honduras, quel que soit le niveau ça, nous très compétitifs avec yo. Oui, nous très compétitifs avec. Donc, forte possibilité pour Haïti t'a fini en première position. Est-ce que Haïti qu'a fini? Comme ça, tout ça qu'arrivé, tandem, ça qu'arrivé que Haïti pas fini en première position. Mais bon, m'explique-yo. Qui j'en pral semble, qui j'en calendrier la pral semble, qui j'en groupe, qui en deuxième partie compétition pral semble pour. Ou fini en première position, ou bien fini en deuxième position. Si ou fini en première position, ou pral jouer avec République Dominicaine le 8 mai. Si ou fini en deuxième position, ou pral jouer avec deuxième dans groupe E. Tandem. Sauf dans la première position, où c'est vainqueur groupe GA, ou pour jouer avec République Dominicaine le 8 mai. Kounye, ou pour aller retourner, sauf une battre République Dominicaine, que tu as supposé, le 8 mai, battre République Dominicaine, mais avec deuxième groupe EA, qui a bien pour jouer, qui a possibilité pour jouer avec troisième groupe GA, qui a une possibilité pour troisième dans groupe GA, troisième place groupe GA, et qui a fait que y a joué le 8 mai tout et ça ka bay moun entre groupe E. Bon j'ai ton coup d'œil avant pour ka comprendre groupe E. Groupe E qui moun ki nan groupe E? C'est groupe qui gagne et Jamaïque, Mexique, Trinidad avec Bermude. Ou pas ta remé croiser avec vainqueur groupe E? Bon garde avant. Vainqueur groupe E li semble le Mexique. Ou d'accord avec moi? Mais ou pas croisé avec vainqueur groupe E là. Mais si vainqueur groupe E en deuxième tour, al croisé avec bon deuxième groupe E. Deuxième groupe E, ou gen possibilité c'est avec ou croisé. Ça veut dire ou gagner une forte possibilité pour pas rencontrer Mexique. Pour pas rencontrer Mexique. Si Mexique finit en première position qui c'est vainqueur dans groupe E, Mexique pral jouer avec Porto Rico. Ou ils ont l'autre possibilité encore que ou même ou déjà évité. Pas fin en deuxième position. Sous fin en deuxième position, ou capable de croiser avec Mexique en quart de finale. Ou avec moi? Ou capable de croiser avec Mexique en quart de finale. Éviter Mexique, c'est fini en première position. Sous fin en première position, pour jouer avec République Dominicaine. Et sous battre République Dominicaine, ou capable de jouer avec deuxième groupe EA qui t'a supposé battre. Troisième groupe G hein, que le 12 mai a rencontré. Ça veut dire garde calendrier. Simple possibilité a semblé que ou fin en première position, c'est ça pour faire. Sous fin en première position le 8 mai ou pas jouer avec République Dominicaine. Et li semble le cas Jamaïque dans groupe E a fin en deuxième position. Dans groupe E. Si c'est exactement Jamaïque ou croisé, ça veut dire comprendre que ou bien Jamaïque ou bien Trinidad ou pral croiser avec en quart de finale. Le 12 mai, ou pral croiser avec yo pour quart de finale là, ou ta supposé quel que soit ni Jamaïque ou bien Trinidad ou battu en quart de finale. Et sou calé yo en quart de finale, maintenant ou pral jouer semi-finale. En semi-finale, que vle ou pas, si Mexique passe dans braguette li a, ou pral croiser avec Mexique le 14 mai. Semi-finale. Semi-finale. Songez que c'est trois mouns. C'est trois mouns qui a passé. C'est trois ou quatre. So, dans le cas ça, même si ou pas ta battre Mexique en semi-finale, attendez bien, même si ou pas ta battre Mexique en semi-finale, eh bien, il y a possibilité pour passer. Ah, attendez. Je ne sais pas si vous êtes excité, même j'avais. Même où est possibilité pour aller. Mais, dans ce sens ça, est-ce que détermination li là et de me dit oui parce que déjà ça peut arriver là li assez intéressant. Après coup de pause nous va recevoir une de deux de mes invités pour aller directement
font une petite conversation, nous coup de pause. Et puis après, nous avons venu avec une invité mieux, Jodia, mesdames, messieurs, l'émission Update Sport sur TotalMixRadio.com. C'est un coup 3i de Maxi Call qui c'est un maximum appel pour un petit classe d'agence. Stay tuned dans quelques instants, nous avons venu avec invité. TotalMixRadio.com étant le premier réseau sportif haïtien d'offre Session Sports Network. TotalMixRadio.com, comme où qu'on aime, moins qu'on aime, on va depuis l'existence de cette network, nous pas gagné l'autre bagaille que c'est promouvoir le sport haïtien et puis c'est vulgariser et nos athlètes haïtiens, fait que où qu'on aime, et c'est ça qui fait que et jusqu'à présent nous étions le premier réseau sportif haïtien, comme on dit, The First Nation Sports Network, TotalMixRadio.com. Et c'est sûr que dans la seconde, nous allons parler, dans la minute, nous allons parler, comme d'habitude, content et tendé apprécier quelques de nos athlètes haïtiens qui ont bien des nouvelles de eux-mêmes également, tout, avec plaisir, bien entendu. Alors, c'est sûr que il est né 18 mars, presque 20 mars. c'est vrai. Et né 11 et 18 mars 1990 à Coutel en France, 1m81. D'abord, il connaît bon passage li dans équipe Guingamp, il fait youfli la dan tout, il passé de Amiens les Poirées et d'après ça de 2014 à 2018 qu'elle connaît quand qu'elle était utilisée, qu'elle passait près de 4 ans dans l'équipe quand, à quand qu'elle jouait près de 93 matchs qu'elle a disputé avec quand pendant les 4 ans, et à partir de saison passée là, et bien monsieur a les transféré de quand à Le Havre. Mesdames, messieurs, please welcome Hervé Basile. Hervé Basile, bonsoir, bonjour, comment ça va, Hervé? Très bien, merci, très bien. Et vous? Ça va à merveille. Et Hervé, et comment allez-vous physiquement, moralement? Comment allez-vous? Bon, très bien. Tout le monde va bien, je marque des buts, la santé est là, donc que demander de plus? Tout va bien, grâce à Dieu. Ok. Basile, après 4 ans passés à Caen, et pourquoi ce divorce? Non, tout simplement, j'avais besoin de voir autre chose. J'avais de bonnes relations avec le club. Il fallait voir autre chose. J'avais plusieurs propositions dans plusieurs autres championnats. Ayant reçu une offre intéressante sportivement comme sur tous les plans, avec un président du Havre qui m'a conquis par son discours et son envie de me faire venir chez lui. Avez-vous hésité pendant avant de mettre la dernière décision pour signer le contrat? Avez-vous hésité, non? Oui, avant de s'engager quelque part, on réfléchit toujours, on prend les bons côtés et les mauvais côtés. Et je pense que le meilleur choix pour moi était de poursuivre avec ce club-là qui est très ambitieux, qui a un gros projet et qui cherche à accéder à lire. Êtes-vous confortable au Havre maintenant? Très bien, je suis très bien. On m'a bien accueilli, les gens sont parfaits, sont super. On s'approche de notre objectif et puis moi en ce moment tout se passe très bien. Je marque des buts, je suis très très performant. Maintenant il faut continuer parce qu'on n'est pas loin de réussir notre pari.
À quelques, on peut dire à quelques journées. On est à, au 34e ou 33e? 34e journée, non? On rentre sur la 33e. Ouais. 33e. On a déjà joué 33 journées. Êtes-vous satisfait de votre performance? Vous savez, on est sportif, on est performant, on essaye toujours à être au meilleur niveau. On va dire que j'aurais pu faire mieux sur les premières parties, sur la première partie de saison, mais en ce moment, j'espère garder ce niveau de performance et cette efficacité devant le but, parce que en deux matchs, j'arrive à mettre 5 buts, donc c'est très très encourageant pour la suite. Alors, c'est exactement ça. Dawal dit ça exactement. La dernière fois, c'était lors de la 32e journée. Et vous avez réalisé un hat-trick et 3 goals course sur course. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un grand Basilea maintenant? Bah déjà, c'est une performance rare. La dernière qui a été faite ici dans ce club-là, elle date de 2006. Donc oui, c'est quelque chose qui est rare, qui fait plaisir. Je pense que je suis sur la voie des performances que je dois réaliser et on va continuer comme ça, parce que comme ça, je pense qu'on aura les possibilités de se battre jusqu'à la fin. Basile, êtes-vous utilisé différemment contre au Havre et à Caen? Parce que vous êtes en pointe maintenant, non? Oui, je joue en pointe. Après, j'ai une grande liberté. J'ai un coach qui me connaît très bien, qui me connaît très bien et qui aime le jeu et qui me laisse une grande liberté sur le terrain, et ça me laisse l'opportunité d'aller dans plusieurs secteurs du terrain et plusieurs zones, et qui me laisse la facilité d'être devant le but et à la création. On est presque, et comme vous avez mentionné tantôt, c'est presque fait pour accomplir votre objectif, c'est de monter en Ligue 1. Exactement. Okay. Exactement, oui. Après, on a notre destin entre les pieds. Il nous reste 5 matchs. Et si on arrive à les gagner, ben, je pense que la surprise sera belle à la fin. Ok, c'est ce que je souhaite aussi, moi. De voir Hervé Basile de retour en Ligue 1. Basile, on dit Basile, les Haïtiens disent Basile. Basile, oui, c'est pour y aller, donc je sais. Basile, qui dernière fois tu es allé en Haïti? Qui dernière fois tu es visité Haïti? Non, la dernière fois que je suis allé à Haïti, c'est au mois de juin dernier. Je suis passé une dizaine de jours. À chaque fois que j'ai un petit moment, j'ai l'habitude de retourner dans mon petit Haïti chéri. Donc, voir la famille, profiter un peu de mon pays et me ressourcer. Basile, est-ce que Basile est grandi comme un Haïtien ou un Franco-Haïtien ou un Haïtien, et un Haïtien qui connaît la culture haïtienne? Exactement. Basile a été élevé comme un pur haïtien. Comme un pur haïtien, à la maison, on parle que créole. Moi, j'ai griot. Tout ce que on a l'habitude de manger en haut, on le mange ici à la maison. La culture haïtienne, on la connaît. On connaît l'histoire d'Haïti. Chez nous, nos parents nous ont donné toute cette éducation-là. Et malgré qu'on est en France, on connaît... On essaye de connaître au mieux notre pays. Ok, ok. Est-ce que c'était une exigence de votre père? De connaître mon pays? Bien sûr. C'est nos racines. Ils sont venus en France pour nous donner une éducation, un meilleur avenir, mais on n'oublie pas d'où on vient. Et je pense que dans la vie, il faut savoir, avant de savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je pense que c'était une éducation de ma mère pour pouvoir me donner toutes ces cartes-là, en tout cas. Basile, vous vivez jusqu'ici avec votre parent, non? Oui, mes parents qui sont pas très loin. Oui, après, comme je suis footballeur professionnel, il faut que j'ai quand même un chez-moi. J'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut chez moi.
Mais mes parents sont toujours à mes côtés et on essaie de se voir le plus régulièrement possible. La question, qui te motive à poser la question direct, est-ce qu'on marié déjà et ça que fait me demander ça, Basile? Non, je suis célibataire. Ok. Pas d'enfant. Célibataire. Deux enfants. Des petits garçons? Oui, garçon et fille. Ok. Basile, et dans plusieurs fois, je pense que c'était contre le Japon ou en Asie, contre l'Arabie Saoudite, je ne me rappelle pas si bien, mais une liste de la sélection haïtienne a publié avec le nom d'Hervé Basile Laden. Mais Basile n'était pas présent. Et vous pouvez expliquer au grand public, au peuple haïtien, pourquoi pas, pourquoi ça, Basile? C'est clair, c'est vrai que j'étais lors de mes dernières vacances d'été, j'étais parti rejoindre ma famille en Haïti et dans ce voyage-là, j'ai aussi rencontré une délégation pour discuter de l'avenir, de mon avenir en sélection. C'est vrai que on a été tombé sur un point en se disant que j'allais intégrer cette sélection. Mais des choses se sont faites entre temps pour que je ne puisse pas aller et j'ai pu comprendre que Yoté dit comme ça, Yoté met ton quoi sous Basile, qu'il n'y a moi-même pas comme ça sélection à penser, qu'il n'y a. Non, qui mettait quoi sur Basile? Basile, est-ce que on t'a refusé Vini Basile? Dans un article, j'ai vu écrit, il mettait quoi sous Basile, sous dossier Basile. Maintenant, moi, je peux mais, comprendre. Mais quelle était la raison? Quelle était la raison que vous pas répondre à la convocation? Ou t'es occupé? J'avais des obligations en club qui ont fait que j'étais obligé de décliner la sélection. Okay. Après, c'est vrai que la sélection a peut-être mal pris ce refus, mais c'était pas un refus, c'était des obligations en club médical et ça s'est pas fait. Mais maintenant. Je ne peux pas revenir en arrière, ça s'est fait. Si ma pontigeant pour la sélection. Si je veux retracer l'histoire, je me rappelle que la sélection, soit c'était en Asie, mais monsieur Yoté a mentionné que pour aller faire un voyage, long voyage, qu'on s'appuie juste un grand match en Asie, c'était trop difficile pour Hervé Basile. C'est ça qu'il a mentionné dans les journaux. Et moi personnellement, je mentionnais ça, c'est, je pensais que c'est juste. Si pour Hervé Basile n'était pas à 100% de sa forme, alors qu'il était blessé auparavant, à l'époque, vous étiez au camp, et il me dit, il mentionnait que pourquoi pas, il ne vaut pas la peine, et c'était un match amical, bien entendu. Mais non, revenons au mouton, Basile. Est-ce que Hervé Basile peut apporter quelque chose dans la sélection haïtienne si le sélectionneur en fait appel à Hervé pour la Gold Cup? Aujourd'hui, c'est simple. Moi, je suis haïtien, j'aime mon pays, je défendrai les couleurs de mon pays. Ça, c'est quelque chose que j'en élèverai jamais. Aujourd'hui, je suis très performant, je suis même dans un niveau qui ressemble à mon niveau. Je sais que ce niveau peut aider la sélection, ça je le sais. Aujourd'hui, moi, je suis fermé à rien du tout. Je suis l'actualité du pays, je suis aussi l'évolution de l'équipe. J'ai des amis qui sont dans l'équipe, je sais qu'ils ont des échéances importantes. Si on arrive à s'entendre, il n'y a aucun souci, je peux faire partie de cette sélection. Lorsque vous mentionnez que si on arrive à s'entendre, de quoi, par exemple? Tout simplement, vous savez, je sais très bien que l'Europe n'est pas Haïti, je le sais, mais je veux que les choses soient carrées. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire les choses très carrées. Si les choses sont carrées, je viendrai en sélection. Votre conversation aux dirigeants dans les années passées, c'était comment? C'était juste pour vous apporter quelque chose de plus ou bien pour mettre, ou encore, c'était l'exigence d'Hervé Basile aux dirigeants de la Fédération haïtienne? Il n'y a aucune exigence. Il n'y a aucune exigence. J'ai des amis qui sont dans la sélection et qui aujourd'hui ne sont plus dans cette sélection, m'ont rapporté des choses de ce qui se passe en sélection. Moi, je voulais l'assurance que ces choses-là, que se passent. Voilà, je voulais l'assurance de savoir comment ça se passe en sélection.
Mais vous, ça veut dire que vous êtes au courant que qu'on a fait une grande évolution en dans tout aspect. Ou au courant de ça. Oui, 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 ça, bien sûr. Comme vous avez mentionné tantôt, votre traitement, ce ne sera pas comme en comme Europe, mais quand même un traitement adéquat. Exactement, comme chaque joueur le mérite. Oui. Et aujourd'hui, moi, c'est simple. Il y a des discussions qui ont été faites avec la sélection, et ça restera entre la sélection et moi-même. Ok. Et si ces discussions-là arrivent à aboutir, il n'y a aucun souci. Basile. J'aime mon pays, il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas jouer pour mon pays. Basile, la Gold Cup, c'est dans moins de 2 mois. C'est le premier match à Haïti, c'est pour le 14, c'est pour d'ici mois de juin. Et oui, est-ce que Basile sera présent avec la sélection haïtienne? C'est ce qu'on attend. C'est difficile à le savoir, j'ai pas participé à la campagne. J'ai pas de contact avec la sélection directe. Alors pour moi, je me vois pas dans la sélection, j'ai pas eu de contact avec la sélection. Si j'avais eu un contact avec la sélection, encore les choses auraient pu être différentes, mais aujourd'hui j'en ai pas. Mais, donc je peux pas m'envoyer à la Gold Cup. Si je bien comprends, Hervé, de conversation on dit là. Si vous faites appel à Basile, Basile a pour répondre, il suffit que les conversations allient en bon train. Je pense, oui. Il n'y a pas de raison. Ma pour un Gold Cup là, oui, Basile. Basile. ma pour un Gold Cup là, oui, je serai là. Ok, c'est parfait, mais on verra alors. Alors, Basile, sous peu. Je pense que sous peu, vous allez avoir une conversation avec Youn Nan Yo. Anyway, au dirigeant directement. Mon téléphone, vous l'avez, ils l'ont. Mon numéro n'a pas changé. Donc, s'ils n'oublient pas, ils peuvent appeler, ils arriveront à me joindre. Et vous avez quel... Je ne suis pas fermé à rien. Ok. Basile, ma petite, j'ai anticipé. Lors de votre retraite, vous n'êtes que 29 ans maintenant, peut-être 6-7 ans après, sous une retraite internationale, est-ce que pensez-vous à réaliser quelque chose au bénéfice des Haïtiens, et même si ce n'est pas directement en Haïti? Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup. C'est que, voilà, j'ai eu la chance, moi, d'évoluer en France, à l'Europe, à l'Est, du moins. J'ai eu cette chance-là et je travaille en tout cas à faire des choses pour la communauté haïtienne, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi dans le plan social. Donc oui, j'ai des projets et j'espère dans un temps assez court pouvoir les mettre en œuvre pour pouvoir faire profiter et bénéficier de la chance que j'ai eue à tout le peuple haïtien. Ok, waouh. Très intéressant. Merci Hervé. Du fait qu'on mette Titan, ça vous parler avec nous. Avez-vous, vous voulez ajouter quelque chose que aux peuples haïtiens qui vous écoutent et qui sont hâte de vous voir sur les couleurs d'Haïti pour la première fois, bien entendu. C'est vrai. Non, tout simplement, merci et continuez à être ce peuple fier et fort et merci beaucoup à vous. Merci, bon trop bien, à la prochaine, Basile. À la prochaine. Mesdames, messieurs, c'était Hervé Basile, mais comme on a mentionné tantôt, bien, vous entendez tout bagaille, vous comprenez tout bagaille, pas grand-rien qui est étrange pour. C'était monsieur Hervé Basile qui t'a parlé avec nous depuis la France. C'est ça, match a avancé, madame, monsieur. Côté que équipe adverse là, il a besoin d'un changement. Nous, le docteur Valensi qui a parlé avec coach là. Là, nous avons remarqué, joueur sale, t'as pris tout. Voilà. Oui, monsieur, pral monter, on capable. Et pour ton changement dans ce score là, rapidement, monsieur, prend ballon. Il dit mon premier, il dit mon deuxième, il dit mon troisième. Et puis, go!
football. Oui, mais toi, et de m'a dit toi, c'est une formule puissante, naturelle et efficace pour aider et tout garçon qui besoin plus endurance, plus stamina et plus vitalité dans vie sexuelle yo, relais nan 954 390 0411 954 390 0411 ou encore faire commande toi à partir de net là www.toa.com toa towa.com madame monsieur pas oublier relais docteur Valency nan 954 390 0411 à toa c'est sous gol n'a marché. Radio.com étant le premier réseau sportif haïtien, The First Asian Sports Network. C'est sûr que notre objectif par l'autre, et c'est toujours de la même, c'est depuis ces 10 ans, depuis en 2010, ça me serait depuis ces 9 ans qu'il y a un total mix par an. L'autre objectif, c'est focus sur connaître nos athlètes haïtiens et oui, ça Haïti à entreprendre parce que c'est ça qui motivationne et c'est ça qui fait que, you know, we know. And we are the First Asian Sports Network, Toromixradio.com. Dernière fois, on t'a parlé avec lui, c'était il y a quelques mois, et c'était lors de la dernière convocation. Ah, mais nous t'ai eu chance et parlé avec lui quelques temps avant même convocation dans sélection nationale. Ah, bien, mesdames, messieurs, ah, bien, ce jeune haïtien américain, et comme d'accord dit ça pour moun peut-être qui pas connaît que nous t'ai parlé avec monsieur eh bien c'est bien avant peut-être c'est pas les informations t'as pas fait la une que nous t'ai ou t'es connaît mais ou t'es gantan qui ont idée de monsieur ça 21 ans d'âge 23 octobre 1997 il fait bon ici à Orlando 1m77 li c'est un attaquant bagaille ti pas donné trop souvent li grandit en dans équipe Orlando City avant même t'a dit que avant t'es vin li t'es monde verde académie avant t'es allé dans Orlando City de Orlando City avec des passages avec équipe Portland t'a dit ça de 2016 à 2018 53 matchs 31 goals vraiment c'était vraiment t'a dit ça presque en moyenne qui t'a bien placé pour ce jeune attaquant de 21 ans li pendant de 23 ans dans U23 équipe Portland nan, côté disputé 12 matchs dans 12 matchs il a marqué 10 goals en bien Anissa li avec li signé officiellement professionnel c'est vrai que nous connaît comme moi t'a dit nous connaît que li c'est un attaquant d'adi qui remet goal mesdames messieurs voici Benji Michel comment y est Bien. How's everything, man? Everything is good. Everything is good. You know, just enjoying life so far. Last time I was talking to you on the air, I asked Benji, did you speak Creole? Benji said, yeah, a little bit. That was the question. Yeah. That was the answer, right? Yeah, I speak a little bit of Creole. Qui joue Creole ou y'a qu'on y'a? Well, I haven't really practiced it, but I think it's getting better since I'm now back home with the family. You know, they speak Creole. Mm-hmm. So I'm around it more, so I think it's getting better. How was it in Portland when you was in Portland? Comment te poumim? How was it lot in Portland? How was it? You know, it was good. But the I say my first year in Portland was kind of difficult because I had to adjust to living on my own, not being with my parents, you know. How old are you at this time? At that time, I think I was 18. 18, okay. Yeah. So, you know, I had to cook for myself. Yeah. My own thing. So, yeah, I mean, it was a bit of adjustment. Okay. Wow. So, and how long it took you to adjust yourself or to make yourself you and then to get in there? I say within the first 2 months, I was comfortable living on my own.
OK. So, ou quitté Portland l'année dernière? L'année dernière, vous venez à Orlando? Vous retournez à Orlando, actually? I did return to Orlando just for visit. Okay. So, definitely, it's officially you signed professional at the beginning of this year? Yes. Okay. How long your contract again, Benji? 3 years? It can be 4 years, but 2 years guaranteed. 3 years guaranteed. Okay. Yeah. Benji, from the time we was talking until now, give us an update. Qui sont faits? De l'énoté parlé à Kounia, ben on t'y update de performance au janvier, qui s'est passé, ça crée, comment y est? My performance, I mean, I can say that I've gotten more comfortable with Orlando City and, you know, the speed of play. Mm-hmm. I've gotten up to that. I made my professional debut with Orlando City against DC United. Mm-hmm. We played against Wayne Rooney. That's when I made my debut. I made the bench a couple of times. That's probably about it so far. So, you know, we're slowly getting better and better. Okay. So I can, you know. So you might need more time to play it then, so, right? Yeah. Okay. So, Benji, recently, for sure, you will know I will ask this question. For sure, the recent time the rosters came out, you sorti list Haïtien ou tenant list et joué appelé en sélection senior, bien entendu. How was it? How you get connected to the Fédération Haïtien? Fédération Haïtienne de football. And ça t'est passé? Qui ont été connectés avec Fédération, hein? Et puis appel yo te ba roi et vous pas devenu, ça t'est passé? Well, there's a lot of individuals that were able to connect me to Haiti, and I really appreciate that. Once I saw my name on the list, mm-hmm. I don't know, it just hit me because I felt like it was too soon. You know, I just signed professional in January, and I got called up to. I was able to get chosen, mm-hmm. which was a great privilege. But I just felt like it hit me. I was like, whoa! Like, I'm now, like, you know, able to represent my country. And now that I'm on the list, I felt like I just wasn't ready because I'm new to the team. I'm a first year as a professional. I didn't want to leave and come back and not be involved with the team at all. So it's like, I just felt like it was just too soon for me. So by the time people was talking to you, did you even think they might be calling you at that time? I thought they would, but I didn't know it would happen. That's when Benji Bob traduire dans langue biblique là pour. C'est comme si on prier pour un bagage mais ou pas gain la foi 100% forcément qui arrivé. That was it, yeah. Yeah. All right. So when it happened, the Haitian Federation contact you. And how you said no to them? How? You text them, you email them, or you just refuse? One, I spoke with them on the phone, and then after our conversation, we spoke for, you know, a good 20 minutes, 30 minutes, and after our conversation, mm-hmm. I sent them an email regarding our conversation. So I didn't just say no, or I didn't just decline, like I did not go. Like I explained my reasoning why. Okay. I'm not asking you to share the email with us, but what you were saying basically on the email. I just basically told him, like, I greatly appreciate, like, what an honor it is to represent my country. I greatly appreciate the opportunity that you guys provided for me. Mm-hmm. But I just feel like the opportunity for me is too soon, and I just want to focus on the team and not get caught up in Hades, even though it's a great honor. Like, further down the future, I would obviously love to represent my country. But, like, at this moment, right now, I just wanted to focus on the team because I was new. I'm a new guy, mm-hmm. and I wanted to prove myself on the team before I can prove myself to my country.
Okay. Did you talk to anybody on your family before you make that the final decision? Oh my God. Literally everyone in my family called me. My brother, he's like my dad. He take care of me. Like, so we had a conversation and he was saying that you should go play with Haiti. It's a great opportunity for you. You don't know what can happen, exposure to other teams. And he just said, it's great to represent the country that where your background is from. Mm. Your brother is born and raised in United States? No, he's born in Haiti. He's born in Haiti. You born and raised here, right? Me, yes. I was born and raised here. Oh, okay. What's your brother's name again? Robert DeLusma. Robert DeLusma. So, did you ask anybody else in your family any advice before that? Or they call you after you make the final decision? Actually, they called me before. Mm. Because I didn't know I was going to be called. Like, I was wondering, but I didn't know I was going to be called. Mm. Who else you spoke to in your family? My mom, my dad, my sisters, my cousin even called me. Mm. My uncle, like, I don't know, this was a big thing. It was like a big topic for like a week. It was a really big topic for a week. It was probably the most stressful week as a pro for me. Okay. If that happened to you, they gave you this opportunity again, which will be your answer? Oh, I'm not. Of course, I'm not going to decline it this time. Like, I feel like, you know, the guys trust me, the team trusts me, the coaches trust me, and like they know my abilities, which is what I wanted. And I feel like if I get another call, then I'm for sure accepting it. Hmm. Did you ever, after that? Okay, after my conversation with you, can you use the same way you was declined and to tell them you put yourself available? The same way you send them the email, can you do that? Because if not, they're not going to know if you willing to come back. And right now, even you said so, they might be question mark if you come in or not, if you're not doing the same thing again. That's what I think. Well, I spoke to one of the members over there, and he said the door will always be open for me. And I told him, you know, I would love to represent the country. Okay. Right. Yeah. So, I think, you know, there's only one person that's heard my voice in the Federation. That's the one that I spoke with. Okay. So one thing I'm sure. Trust me, listen to me. Do this, just send the email. I mean, you got something you said, I was saying I was available, just in case, you know, just in case. You know, yeah. Because sometimes they say, power you pass it, but écriturité, you know, whatever you write it stands. So your word is goes fast, so, are you right? Yeah. Mm-hmm. So what is this plan look like for you in the next, this summer? The plan, I don't know, you know, it's whatever happens, you just got to be prepared for whatever comes my way. Okay. Premier fois, t'as parlé à Benji, ou t'es dit ma part de Olympic team, right? You was in you knew you was in the list for Haiti, Olympic team. So, Olympic team now an activity, senior an activity, he's going to look like you're going to be very busy if you get in there. Mm-hmm. All right. So you and the bench recently avec équipe Orlando, but ou jouer un match mais on peut que l'on a souvent you pas ou pas monter dans match non? Only one game I have. Oh, okay. Anything you want, une bonne opportunité à pour dire, est-ce qu'on veut excuser au peuple haïtien? I want to say, I'm not going to tell you to say that, but I'm asking you, do you want to excuse yourself to the Haitian
fans was willing to see Benji, Michel, but keep at well leisure. You want to say something to them? Yeah, I just felt like I mean, a lot of my family from Haiti, they called me, and I just felt like I let everyone down. And I kind of apologize for that. And hopefully I'll be able to make it up to you guys. All right, Benji. Have a great day. And n'a pas long l'autre fois. Porte-toi bien, man. Yes, thank you. Happy Easter. You too. Sure. Thank you. All right. Thank you. That was Benji Michel, madame, monsieur, qui t'a parlé avec lui. Comme récemment, je pensais que tu étais en deal, ou tu étais tout ça qui passé. You know, that was the news. That was not us. All right. That was Benji Michel. TotalMixRadio.com. Voilà toute une journée chargée avec nous, mesdames, messieurs. M'a cassé rendez-vous avec nous pendant toute journée, c'est maintenant avec monsieur Fermont. On a fait toute difficulté, on a surmonté toute difficulté technique, mais monsieur, c'était qu'on a passé de lui quand même. Ou pas besoin de plaire. Mercredi, m'a supposé, jeudi, si je viens, supposé rejoindre Fermont à 8h du matin. On a essayé de faire tout arrangement possible pour nous retrouver chaque matin encore, mais libre-cola. Mais dimanche soir, c'est 27, on a gagné mes invités de l'équipe haïtienne senior, de l'équipe haïtienne U17 là, que n'a bien avec nous. N'a quoi ça va, n'a quitté où. Parce qu'on me dimanche Pâques. Photo bien. God is good, my brother. Not only today, all the time. Watch out! Téléphone pas blasé dans nous encore. Mais solution problème nous. Qui téléphone? Qui téléphone dans le moment qui